Salut madame, je voudrais un petit morceau de pain, un petit peu de fromage. Eh ben non, il n'y a pas de fromage dans le jeu, monsieur. Ouah, c'est trop beau. Ah, salut tout le monde. Alors, je vous bascule là-dessus. Bon, bah écoutez, c'est Stan, on va parler de Foundation. On a joué pendant une semaine. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai pris le temps de réfléchir. J'ai laissé passer quelques jours comme d'habitude. Il y a du pour, il y a du contre. C'est un beau jeu, très intéressant, très immersif. Il y a pas mal de choses que j'ai aimées, et notamment, bah voilà, on est bien dedans, quoi. Alors, il est décrit comme un jeu organique, et ouais. Alors, ils ont tout bon pour l'organique, vous voyez. Et j'aime bien en plus cet aspect organique contrôlé. J'ai adoré le coup de la zone interdite, là, qui me permet de leur dire, vous n'allez pas là, vous n'allez pas là. Et j'ai adoré aussi qu'au final, après, les haies, les arbres, vous voyez, ils contournent les arbres, là. Hein, que les haies, les arbres, tous les petits trucs, et eh ben ça les bloque vraiment. Du coup, vous voyez, là, ma zone interdite ici, là, je peux l'enlever. Parce que maintenant qu'il y a une haie, eh ben, ils vont faire le tour. Mais ça m'a plu, dès le départ, de pouvoir dire avec les zones interdites, vous n'allez pas là, vous n'allez pas là, c'était sympa, vous faites votre chemin par là. Ça m'a beaucoup plu, j'ai adoré. Alors, bah écoutez, je vous rebascule sur le test. Alors, l'immersion, eh ben, l'immersion, moi, j'étais à fond dedans. Alors, on retourne sur le jeu. Notamment les bruitages, les sons, les mouvements, la façon dont ça se déplace. Et qu'est-ce qui favorise l'immersion beaucoup? Pour moi, c'est aussi tous ces petits trucs-là. Vous voyez, c'est le carrefour, arche de plante. C'est quand même la classe, hein. L'arche de plante, on peut en mettre... je peux en mettre une là, par exemple. Hop, comme ça. Et puis une là. Voilà, j'aime bien tous ces trucs-là, toutes ces petites décorations choisies pour notre village. Voilà, j'ai mis des arbres ici. Ils sont en train de pousser dans les portes. Et voilà, on est vraiment, vraiment dedans. L'église, on l'a fait comme on a envie. Le marché, c'est pareil. C'est moi qui ai décidé qu'il était comme ça. Je peux le continuer maintenant, je peux l'éditer. Hop, je vais faire des petits... Ah bah non, c'est toujours pas bon. Ah, clôture, ça y est, j'y suis. Je sais pas si je pourrais valider par contre. Hein. Alors, vous voyez, hop. On peut continuer comme ça. Appliquer. Hop là. Et je suis en train de jouer là, je suis pas du tout en train de faire mon bilan. Excusez-moi. Et donc, j'ai adoré toute ce partie immersion, on est à fond dedans. Et fond dedans. Et j'ai beaucoup aimé même les petits bruits, vous voyez. Par exemple là. Voilà, vous entendez. Et maintenant? Ouais. Moi, je me régale. Hein. Quand j'entends tout ça, je me régale. Hop, petit spoil. Alors, l'immersion, excellent. L'interface. Alors, l'interface, je suis désolé. Pour moi, c'est le point noir du jeu. Le point noir, vous voyez, ici, c'est moche, en fait. Hein. C'est pas beau. C'est pas beau, là il y a une autre couleur, pourquoi? Ouais, c'est la technologie. La technologie présentée comme ça, mais c'est affreux. C'est même pas très clair. J'aime pas l'interface. Il y a des trucs que je peux aimer dans l'interface, même ça, vous voyez, par exemple l'heure qui... C'est le temps de jeu, mais c'est pas un vrai temps de jeu, c'est un temps de jeu qui dépend de la vitesse à laquelle vous jouez. Alors on joue en rapide, et ben ça passe 3 fois plus vite, on joue en normal, ça passe 1 fois à la vitesse normale. Ça, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, par exemple, dans l'interface, j'ai eu du mal à comprendre comment au début, vous voyez, lui, ça, rouge, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a de la nourriture? Est-ce qu'il en a pas? Ça, c'est vert. Et pourquoi c'est vert jusque-là? Je n'en sais rien. Je ne sais pas, je comprends pas. Et du coup, bah, ça me complique des marchandises. Ça, c'est pour le moment ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur. Je pense, mais je suis pas sûr en fait, hein, voilà c'est ça. J'ai pas assez d'explications. C'est pas beau leurs entourages là, leurs boutons rouges, leur petite barre transparente. Là j'ai une barre transparente, ici j'ai une barre pleine avec, avec une... Voilà, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est pas clair. C'est vraiment affreux l'interface. Elle est pas pratique, on peut pas cliquer sur les choses pour savoir. Et puis voilà, on débloque la cabane pêcheur, débloquer la haie, mais qu'est-ce que ça fait, on sait pas. Faut aller sur le wiki. Alors ils ont un bon wiki. Ça, pour le coup, ils ont un bon wiki.
Mais pour autant, ça suffit pas pour moi. Le gameplay, ça sera pas une surprise, hein. Le gameplay, on est bien, hein, on fait ce qu'on veut. J'ai beaucoup apprécié ça, les zones, comme je vous l'ai dit, avec la petite zone rouge, vous voyez. Au début, j'avais mis ici une petite zone rouge comme ça, là. Tac, 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 voilà, on ne doit pas passer. Puis j'ai pu planter une haie et maintenant je peux enlever ma zone rouge. Ici. Voilà. Parce qu'ils ne passeront pas. Ça c'est bien fait aussi, hein, que le fait que eh ben, la zone rouge les empêche de passer. Mais vous voyez, ça les empêche pas complètement. Ils ont quand même. Si je fais ça, ils passent quand même un petit peu, ils empiètent, c'est marrant. J'aime bien. Et puis après, quand on met une haie, ben, c'est réglé, ils iront plus. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien fait ce système. Par contre, eh ben, ça manque d'explication encore une fois, mais ça c'est parce que c'est une alpha, on va pas en tenir compte. Mais en tout cas, pour moi, le gameplay, il est là, il est super agréable. Je mets en pause le jeu derrière. On a du plaisir à jouer et à découvrir. Par contre, il est un petit peu facile et un petit peu rapide comme jeu, hein, quand même. J'ai joué que 2 heures, on n'est pas loin de la fin déjà. Ça, pour moi, c'est un problème. Il y a un problème de profondeur de jeu pour l'instant. Hein. Le gameplay est là, tout est bien positionné, tout est bien placé. Après, ça ne nous mène pas très très loin. Il nous reste maintenant à voir ce que l'on pense de l'avenir, la hype. Eh bien, écoutez, oui, déjà, de l'avenir, il y en a. C'est une alpha. En plus, ils ont dit qu'ils voulaient rajouter des choses. Il y a différentes maps. En plus, surtout, ce qui me fait penser qu'il y a beaucoup d'avenir, c'est qu'on peut le modder. Voilà. Après, je ne sais pas à quel point on peut le modder, si c'est juste pour rajouter des décos. Ça sera super, mais ça sera pas suffisant. Donc, l'avenir du jeu, il dépend vraiment de ce qu'ils vont en faire. Alors, moi, je mets un pouce vert parce que j'y crois vraiment. Et je pense qu'il y a des choses qui vont être mises. J'espère qu'on pourra avoir des routes pavées. J'espère qu'on va pouvoir mieux contrôler nos villageois. J'espère que nos villageois vont avoir une personnalité. Ça serait tellement décevant qu'ils restent comme ça, les villageois, parce que non seulement ils sont moches, mais ils n'ont pas de personnalité, hein. Aucune personnalité, pas de relation entre eux. Il n'y a pas de mari et de femme, il n'y a rien du tout. Alors là, vraiment, pour le coup, hein, si on fait une simulation de village, c'est aussi pour s'intéresser à nos villageois. S'ils ne développent pas cet aspect, c'est une cause perdue, le jeu, hein. Bon, alors j'espère qu'ils le feront. J'y crois. Voilà. Alors, pour autant, est-ce qu'on est dans un jeu qui va nous offrir une grande longueur de jeu? Un grand gameplay, il est beau, il est bien, il fonctionne bien. Mais l'avenir, j'y crois. Mais je crois aussi qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et je ne parle pas du polissage, des finitions ou des petits bugs lumineux comme on a là, Stonecutter Part 90. C'est super, ça me parle pas trop. Il y a une deuxième chose que j'aimerais quand même reprocher dans le gameplay. C'est que ça, c'est ma map. Elle est vraiment super. Mais vraiment, vraiment, j'en ai exploité qu'une toute petite partie. J'ai pas été encouragé par la map à aller m'installer loin. Les seules ressources que j'ai pas, elle est là. Elle est pas loin, hein. Donc vraiment, encore une fois, sur la profondeur de gameplay, il nous faut des endroits où il y ait des vaches, des endroits... Déjà, dernière chose sur la map, elle est complètement immobile, rigide, hein. J'avais dit la même chose sur Tales. At the Gate. La map qui bouge pas. Voilà, bah là c'est ça aussi. La map elle a pas de vie. Elle a pas de dynamisme. Elle a pas. Il se passe rien sur cette map. Donc elle est pas satisfaisante pour moi la map. Elle est pas exploitée. Elle est pas vraiment exploitable dans le sens où ça n'a pas d'utilité d'exploiter. Les reliefs, on a du mal à les percevoir. Il faut vraiment se mettre comme ça pour les voir. C'est pas terrible. Et puis surtout, y a pas de raison, j'ai pas de raison de venir ici moi, hein, vous voyez, là, y a, ce qu'il y a là, et ben je l'ai là, à côté de moi. Donc pour moi, il faut que là, j'ai vraiment joué que dans un tout petit carré, la map, il faudrait qu'elle soit plus grande à l'avenir. Donc à l'avenir, il faut une map mieux exploitée, plus dynamique, plus intéressante. J'adorerais commencer avec des villages concurrents sur la même map. Mais tellement des villages concurrents, des villages avec qui commercer. J'aurais bien aimé que, vous voyez, ceux-là, et ben la route débloquée, ça crée un chemin jusqu'à l'autre village et que ça y est, on puisse faire ça.
Et vraiment, le système de commerce, il est complètement à refaire, hein, il est pourri. En plus, c'est le système de commerce qui débloque la technologie. La technologie, on l'acquiert par des missions qui sont toujours les mêmes. Donner un objet. Pour moi, c'est pas satisfaisant. En fait, ce qui est satisfaisant, c'est ce que je vois là. L'immersion, en fait, je suis bien dedans. Mais au niveau gameplay, c'est agréable à jouer, c'est bien fait, mais il y a vraiment un gros manque de profondeur. Les personnages sont à revoir complètement, le commerce est à revoir, la technologie est à revoir, la map est à revoir. Il est beau, mais il est vraiment pas fini du tout. Alors, si c'est une alpha très précoce, c'est super. Si on est au bord de la bêta et que le jeu veut être lancé, bah c'est beaucoup moins bien. Quoi qu'il en soit, il n'est pas vraiment intéressant actuellement. Il est beau, amusant, on se divertit un petit peu à y jouer, mais c'est comme un film moyen. Dès qu'on va regarder un autre film, on l'aura oublié lui. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Alors on va continuer, on va faire le bilan. Hein. Je vous repasse sur ici. Alors, à savoir, au final, est-ce que j'ai aimé ou pas? Eh bien pour ça, je vais vous répondre. Voilà. Ah, je vais le mettre ailleurs. Je vais le mettre un petit peu plus haut, ça. Tiens. Tac, t'es là. Voilà. Donc, oui, j'ai aimé. Vraiment. Vraiment, j'ai aimé. Il n'y a pas de doute. J'ai apprécié cette alpha. Par contre, si on me dit c'est un jeu, il est fini. Non, c'est vraiment pas bon. Vraiment, c'est pas suffisant. Je le sais déjà au bout de 2 heures que je vais pas jouer longtemps. Je le sais, il n'y a pas de difficulté déjà. Je ne vais pas être encouragé à recommencer une partie parce que j'aurais perdu. Je ne vais pas perdre. Sauf des fois, on peut se coincer. Voilà, on peut se coincer parce que ils n'ont pas prévu qu'on puisse se mettre dans la situation où on ne peut pas débloquer la prochaine mission, etc. On peut peut-être se coincer, mais pour moi, c'est pas suffisant. Alors, bah, écoutez, on va regarder combien on vous demande de payer parce qu'on peut actuellement l'acheter. Alors, du coup, avant de faire ma recommandation... On va regarder combien on vous demande de payer. Et on vous demande de payer 30 euros. Alors là, malheureusement, je suis vraiment désolé. Mais on est méga loin d'un jeu qui vaut 30 euros. Alors, ni maintenant, clairement, ni même à l'avenir. À l'avenir, dans cet état-là. C'est-à-dire que s'il ne retravaille pas la map, le commerce, la personnalisation des villageois... Du dynamisme sur la map avec des interactions avec des éléments de décor et de l'opposition. S'il ne nous change pas complètement les technologies, le jeu vaudra jamais, mais jamais 30 euros parce qu'en fait, il est, c'est un petit jeu flash. Très beau, organique, mais c'est un jeu flash. C'est comme un aquarium qu'on regarde, quoi. Moi, j'ai autant de plaisir à le regarder qu'à y jouer. C'est quoi ça? C'est les bruits de moutons? Voilà. Mais non. Non, il peut. Pour moi, là, on n'est pas dans le. On n'est pas dans un jeu qui vaut 30 euros. Donc, vraiment. Ma recommandation d'achat, c'est non. Ne l'achetez pas. Ne payez pas 30 euros pour ça maintenant. Ne payez même pas pour les soutenir. Il n'y a pas de raison de payer. C'est comme si je vous amenais voir une belle voiture et qu'on vous dise, regardez cette carrosserie, elle est belle, elle est pimpante et tout. Et pour. Bon, il n'y a pas encore ni le moteur, ni l'intérieur, ni les roues. Mais pour 30 000 euros, vous pouvez repartir avec tout de suite. Bah non. Le jeu, vous voulez un jeu, vous le payez 30 euros, vous ne payez pas un jeu qui vaudra 30 euros plus tard. Parce que là, vous n'avez aucune promesse. Très clairement, ne l'achetez pas. Si vous l'avez, gardez-le. De toute façon, vous avez sûrement déjà joué plus de 2 heures. Mais... si vous ne l'avez pas, ne l'achetez pas. Il ne vaut pas du tout 30 euros. Je serais même surpris qu'à l'avenir, tout développé, tout fait. S'ils font tout ce que j'ai dit, vraiment, faire une map dynamique, de l'opposition, des personnages avec de la personnalité, etc. Oui, ça vaudra peut-être 30 euros un jour. Payer 30 euros à ce moment-là. On reviendra dessus quand il va sortir. On va voir s'il les vaut ces 30 euros. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, c'est hors de question d'acheter ce jeu. 30 euros. Sauf si 30 euros, pour vous, ça représente pas grand-chose. Je vais pas porter de jugement. Mais 30 euros, moi, c'est plutôt mon budget, on va dire, trimestriel. Ou ouais, c'est ça. Moi, c'est 10 euros par mois. Hein. Quand je vais acheter un jeu à 40 euros, j'attends 4 mois.
Donc je vais pas me priver d'acheter des jeux pendant 3 mois pour acheter Foundation. C'est pas possible. Pas à ce prix-là. Évidemment que je dépasse toujours mon budget, hein, comme tout le monde. Mais là, là, clairement, on va pas dépenser 30 euros pour un jeu pareil. Pas maintenant. Pas tout de suite. Mon conseil, c'est ne l'achetez pas. Mais surveillez-le parce qu'il a un très très bon potentiel. Toutefois, on pourrait avoir des très mauvaises surprises à la sortie. Parce que s'il sort vraiment comme ça, croyez-moi, les critiques, les commentaires vont changer du tout au tout. On va passer de formidable, génial, dynamique, organique à j'ai joué 3 heures et j'ai fini le jeu. Je me suis ennuyé au bout de la deuxième heure. Voilà ce qu'on aura. Donc ils ont beaucoup de travail à faire pour en faire un bon jeu. Mais déjà, vous avez un très bon... Vous avez vraiment au niveau graphique tout ce qu'il faut. Là, ils sont prêts. Ils sont prêts. Et puis pour la déco, à la rigueur, qu'ils se focalisent plus dessus, qu'ils fassent confiance aux modeurs. Voilà. Bah écoutez, c'était mon avis sur Foundation. Mon avis que c'est un bon jeu, mais qui vaut beaucoup trop cher pour être acheté maintenant en l'état. Je suis sûr qu'on va revenir dessus pour voir vraiment ce que ça vaut plus tard à la sortie ou s'il y a eu de très gros changements. Je vous remercie d'avoir suivi cette critique et éventuellement d'avoir vu les 2 heures de gameplay. Contrairement à At The Gates, je vous encourage à regarder les 2 heures de gameplay. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, du plaisir qui malheureusement approche de sa fin au bout de 2 heures et je ne paye pas 15 euros de l'heure pour jouer à un jeu. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end.